sur les stars, les influenceuses ou bien dans la rue, les ongles longs en la côte. Et encore une fois, la mode n'est qu'un éternel recommencement. Pourquoi ? Cette tendance vient tout droit des années 90 à 2000 à l'image de la queue de cheval de Jennifer Lopez ou encore du ball liner de Bella Hadid. L'époque où avoir des faux ongles était un véritable casse-tête est révolue. Aujourd'hui, on peut les retirer nous-mêmes de la maison, uniquement pour les capsules. Mais alors sur quelle technique de faux ongles miser ? Faites votre choix. C'est sans aucun doute la technique la plus rapide et la moins traumatisante pour l'ongle. Elle consiste à appliquer une couche de gel de manière uniforme sur l'ongle et à l'étirer pour lui offrir une extension. Une fois séché sous la lampe à UV, cette technique tient environ 3 à 4 semaines et donne un résultat brillant et super naturel pour environ 40 € la pose, 10 € la dépose. Vous avez dû déjà en apercevoir en faisant vos courses au supermarché. Les capsules sont les boîtes de faux ongles qu'on trouve directement en grande surface. Ultra facile à utiliser et rapide à appliquer, il vous suffit simplement de choisir la longueur, la forme et la couleur selon le choix proposé en rayon. Mais attention, si cette technique est super pratique, elle doit s'utiliser de manière occasionnelle comme pour une soirée, un mariage ou un rendez-vous. La colle reste nocive pour l'ongle. À partir de 6 € en supermarché. À l'image du gel, la résine se fait en institut. Cette technique plus ancienne est un peu moins utilisée car elle peut vite donner un effet grossier comparé au gel. Elle est un mélange de liquide et d'une poudre acrylique. Une fois appliquée sur l'ongle, le mélange devient rigide puis est taillé en fonction de la forme et la longueur que vous souhaitez. Cette technique peut se faire sur un ongle court ou long et dure environ 4 semaines. Comptez environ 30 € la pose, 10 € la dépose.